Les chevaux viennent de s'élancer pour l'épreuve principale, la China Southern Airlines Mauritius Guinness Cup, 1600 mètres à parcourir. Albert Money qui a fait des siennes au départ, mais qui se retrouve en tête maintenant. Albert Money avec en deuxième position Maze Street. Ensuite, on retrouve Living with Heart. Ça mène par la suite Captain Pot et fermant le cortège Grace Champ avec Albert Money. Quel avantage! Bientôt tombe à l'Arctique. Maze Street, suppression en deuxième position à deux longueurs, voire trois longueurs, on trouve Living with Heart. Par la suite, Captain Foot et Grace Champ en queue du peloton. Les chevaux entament la descente à 900 mètres de l'arrivée. Albert Molly toujours devant dans cette sixième course, devant Maze Street qui évolue à son extérieur. Ensuite, Living with Heart qui est en troisième position. Captain Foot est toujours dernier. Grace Champ, bientôt plus que 600 mètres à parcourir pour Albert Molly, taquiné toujours par Maze Street. Voilà que Captain Foot va se rapprocher à l'extérieur maintenant de Living with Heart. Grace Champ n'est pas mal non plus en cinquième position. Bientôt plus que 400 mètres à parcourir pour Albert Molly avec Living with Heart et Captain Foot qui vont se montrer menaçants maintenant dans la ligne droite finale. À présent avec Albert Molly à son extérieur, Living with Heart va faire l'effort tout comme Captain Foot. En dehors, Albert Molly avec Living with Heart, Captain Foot avec 51 kilos lancé à l'extérieur par Derek David maintenant. Captain Foot qui a l'avantage et c'est Captain Foot qui va aller s'imposer dans cette course devant Living with Heart. Troisième Grace Champ, Albert Molly et Maze Street.